صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. حقوق المرأة بالعالم، حقوق المرأة بلبنان والبلدان العربية، ولا بالمظاهر المرأة اللبنانية تحسد. إذا بالمجتمع منشوفها اليوم عندها مكانة مهمة، وأيضاً منشوفها أنه يمكن حقوقها كلها وصلت لها، ومنشوفها أنها امرأة قوية. ولكن هل يا ترى في عدالة وحقوقها وصلت لها مظبوط؟ لا، لأنه اليوم في كتير قوانين ضد المرأة، والمرأة لسوء الحظ ما عم تكترس إنها توصل لها. يمكن لأنها امرأة مبسوطة ببيتها، يمكن لأنه امرأة واصلة بمراكز مهمة بالمجتمع، ولكن في كتير نساء اليوم معنفة، في كتير نساء اليوم مش واصلة أبداً على أقل من ما يمكن من حقوق الإنسان. اليوم بفكرت كتاب رح نحكي عن مشروع كتاب، واليوم هو بدأ بفكرة رزنيمة 100% لكيت بفرنسية لبنانية، بحب رحب فيها باستوديوهات الام تي في. فريمون نادين بيرجو ديباس، vous êtes la bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir de vous revoir dans les studios de la MTV. Et ça me fait plaisir aussi que vous pensiez à toutes ces femmes 100% libanaises. 100% libanaises. Alors que vous êtes à moitié libanaise. Je suis complètement... pas du tout libanaise. Pas du tout libanaise. Pas encore. Même si vous êtes mariée à un Libanais, vous n'êtes pas libanaise. Non, je ne suis pas libanaise. Et ça nous fait encore plus plaisir de vous recevoir et de parler des droits des Libanaises. Alors, surtout que vous êtes là à vraiment parler d'un projet extraordinaire, 100%, et parce que vous êtes aussi et surtout 100% femme. Complètement. حاجة في المشاهدين على نادين برجون ديباس، فرنسية من مواليد بريطانيا ومتخصصة بهندسة الديكور، متزوجة للبناني، وأيضا يعني عملت كديكوراتريس كمهندسة ديكور بدبي وببيروت، ولديها مشاريع كتير حلوة ومهمة، واستضفتها ضمن معرض كتاب الفرانكوفوني ببيروت بمشروع مع ابنها تشاد. Je sais que on a rencontré Tchad, votre second fils, et qui a eu un projet extraordinaire, et j'ai eu l'honneur de partager ce projet, Fish Eye, et Imagine le monde de demain. Et qu'en est-il de ce projet qui n'en finit pas? Qui n'en finit pas, qui finira jamais, j'espère. J'espère, oui. Nous sommes en train de vendre le livre maintenant, et pour chaque livre vendu, un arbre sera planté au Liban. C'est un livre que nous avons sorti avec les éditions d'Eram. Oui, bien sûr. Et qui est imprimé sur du papier recyclé. Donc, on avait demandé à tout le monde d'imaginer le monde de demain. Et aussi à des personnalités, à vous d'ailleurs, vous aviez Merci gentiment beaucoup. Participé. Et Tchad, aujourd'hui, il a d'autres projets? Oui, on a un grand projet qui sera plus important encore que Imagine le monde de demain. Ça sera Imagine le Liban de demain. Mm-hmm. Et là où beaucoup plus d'ONG, de personnalités, enfin tout le monde va participer. Changer un peu. Ça me fait grand plaisir combien vous êtes prise par ce Liban, qui n'est pas votre pays, et par tous ces projets que vous faites pour le Liban et les Libanais et les Libanaises. Surtout. Surtout les Libanais. Qui est Tchad, il a déjà 9 ans, 10 ans. Il a 11 ans. Il a 11 ans. Ibn Tchad, il a 11 ans, et il a été invité deux fois dans le marché francophone, et il a Imagine le monde de demain. عند دار نشر درغام، واللي شارك فيه عدد من الفنانين وعدد من الكتاب أيضا، اللي تصورنا كلنا أو برسمة أو بنص كيف منشوف عالم الغد. وهلأ في بعد مشروع حلو كتير تاني، هو إيماجين لو ليبان دو دومان، كيف نتصور لبنان الغد، وهيدا حلو كتير كله من جراء أفكار حلوة من فرنسية ومنا لبنانية مهتمة بلبنان
وباللبنانيات. Revenons à 100%. Donc, ce calendrier est donc le début d'un projet de livre. Mm-hmm. Aujourd'hui, 100% représente 12 femmes qui ont donc offert ce qu'elles ont de plus intime, leur poitrine, mm-hmm. leur sein, et avec 12 lois injustes envers les femmes. C'est vraiment un très beau livre et j'aimerais bien lire un peu. Tu dis ce calendrier et le livre à venir sont dédiés à toutes les femmes qui vivent en enfer au Liban et sur cette terre, toutes ces ombres qui tremblent dans le noir sans le moindre espoir, toutes ces femmes humiliées, rabaissées, torturées par l'homme qu'elles ont épousé, car les tyrans et les dégénérés ne passent pas tous à la télé. Tu as raison. Il y en a même qui nous ont fait des bébés. C'est très fort, c'est très, très fort, ça. Comment tu as eu l'idée de commencer par un calendrier et parle-nous plus de ce livre à venir. OK. En fait, c'est un calendrier, mais aussi c'est un mini-livre. Ce n'est pas qu'un calendrier. Exactement. Il y a quand même 80 pages. Mm-hmm. J'ai eu envie d'annoncer le livre que je prépare, où là, il y aura 100 photos de femmes et beaucoup plus de lois, d'injustices, de témoignages qui vont dans ce sens. Donc je voulais un petit peu faire un petit messager. Oui. Donc j'ai décidé, c'était la nouvelle année, de faire un petit calendrier inclus où il y avait 12 femmes, 12 injustices et où je parlais un petit peu de ce projet. الكتاب رائع واليوم في رزنامة وكتاب يعني كتيب هو ورزنامة في 12 صورة امرأة أكيد عم بتقدم اللي يمكن عندها أجمل شيء عندها أيضا كأم وهو صدرها واليوم كمان عم نلاحظ قدي هالمشروع مهم لأنه بيقدم 12 فينا نقول قانون او 12 يعني قانون ضد المرأة مش مع المرأة اللي لازم نبلش نفكر نغيرهم وبتقول هذه الجزنامة والكتاب القادم مهداة الى جميع النساء اللواتي يقضين حياتهن معذبات في لبنان وعلى هذه الارض كل تلك الظلال التي تجف في الظلام دون اي امل كل تلك النساء اللواتي يعانين من الإهانة والإذلال والتعذيب على أيدي أزواجهن ذلك أن الطغاة والمنحلين لا يظهرون جميعهم على التلفزيون بل ثم بينهم من أنجبنا منهم أطفالا بتصور هيدا بيقول كتير من الأمور Vous avez pu coopérer dans ce calendrier, ce petit livret, avec 12 femmes, je peux dire, de différentes religions, de différentes classes sociales. Comment ça a été? Est-ce que ces femmes ont été coopératives? Et sont-elles toutes des femmes qui sont vraiment malheureuses? Non. C'est toutes sortes de femmes. Le mélange des religion, je vais dire, c'est voulu quelque part aussi, parce que je voulais que tout le monde y participe, des chrétiennes, des musulmanes, des arméniennes, parce que pour moi, c'est la même chose, je veux dire. Donc elles doivent toutes se battre pour leurs droits, elles sont ici, et voilà, donc c'était... Mais non, elles ont toutes participé parce qu'il y avait le projet derrière le droit des femmes. Mm-hmm. Ce n'était pas gratuit, je ne leur ai pas demandé de se déshabiller pour juste faire un livre d'art. Mm-hmm. Donc il y avait toujours cet esprit derrière, on va faire quelque chose pour le droit des femmes. Bien sûr. امرأة اللي موجودين بالكتيب بحب شوف أكيد الكفر على من الريجي على الشاشة شفناه منكون كمان أنه في 12 امرأة من دين مختلف وأيضا عم بتقول مسلمين مسيحيين حتى من طوائف أرمانية وغيرها لأنه حبت تقول أنه عم نشوف الكفر أنه في ظلم عند الجميع مش بس عند طائفة معينة أو بدين معين أكيد وأصلا الحق للجميع
والقانون للجميع. من هيك كمان طلبت من هالنساء انه يتصوروا يقبلوا يتصوروا لانه تيوصلوا على حقوق حقوقهم كنساء. Je vois que les femmes sont donc dénudées du haut. Et vous dites là, sans femmes libanaises ou vivant au Liban ont posé les seins nus, ou presque, non pas dans le but de provoquer ni de choquer, mais plutôt de réveiller les esprits, les mentalités, les cœurs. Comment peut-on réveiller des esprits en montrant un sein nu? C'est une façon aussi de, pour moi, de les dévoiler, parce que, au sens propre et figuré, je dévoile la femme féminine comme elle est. C'est une façon de se mettre à nu quelque part, pour réclamer quelque chose, mm-hmm. d'une autre façon. Et surtout que aussi le sein, c'est le sein d'une mère. C'est la maman qui allait, c'est la femme, c'est la féminité, c'est la femme, c'est la femme. Voilà. عم بقول لها انه اكيد 12 امراه قبلوا انه يعني يتصوروا وهن يعني عم بيفرجوا اكيد صدرهم من العالي، ولكن عم بقول لها انه كيف قبلوا، وخاصه انه هي بتكتب انه مش لتصدم ولا لتستفز المجتمع، ولكن لتاثر وتقدر توعي الضمير. قلت لها كيف ممكن واحد يوعي الضمير مع النساء يمكن هيك عريانه؟ قالت لي لانه بهالطريقه كانه هي المراه عم بتقدم حالها مثل ما هي، ما عم بتخبي شيء، يعني هذا شيء كثير رمزي. وكمان صدر الامراه هي العطاء، هو الام، هو الحب. حلو كثير. Dans le livre à venir, donc il y aura 100 femmes. Et non pas seulement 12. Vous avez déjà fait les photos et ce sont vraiment des femmes totalement différentes et que des Libanaises. C'est des Libanaises et c'est aussi des femmes qui vivent au Liban. C'est-à-dire que j'ai aussi des étrangères qui ont épousé des Libanais qui vivent au Liban depuis 10 ans, 20 ans et qui ont posé également. Oui, c'est des femmes différentes. Oui. Et qui coopèrent toutes sans aucun problème. Qui coopèrent sans problème. Non, je ne les force pas du tout à se déshabiller. Non, je vous dis, comme il y a le message derrière, donc elles le font pour passer ce message, pour parler de leurs droits. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes une Française, mais qui vit au Liban quand même. Vous vous sentez très touchée par l'injustice vis-à-vis des lois envers les femmes au Liban? Tout à fait. C'est pour ça également que j'ai fait ce petit livre. Moi, j'étais très, très étonnée de découvrir des lois que je ne connaissais pas, comme par exemple l'impossibilité pour une femme libanaise d'ouvrir un compte en banque au nom de ses enfants. Exactement. De voyager avec ses enfants sans l'accord de son mari. Exactement. Le droit de transmettre la nationalité également. Ça, c'est très important. Voilà, que je ne comprends pas. Toutes ces choses dont on parle maintenant, il y a beaucoup d'associations, il y a tout un mouvement pour tout ça. Donc, ça tombe très bien. Moi, j'ai commencé, vous me posiez la question tout à l'heure, les photos, je les ai commencées il y a plus d'un an. Un an et demi, je crois, parce que c'est pas... Tu avais déjà ce but de faire le livre? Oui, complètement. Mais c'était pas non plus très facile. C'est pas très facile de trouver 100 femmes qui vont poser, donc ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, et j'arrive maintenant à un moment où en fait c'est bien parce que tout le monde parle de ça, le mariage civil, j'en parle aussi, je reviens dessus. Je vais juste traduire et on va revenir au mariage civil. 12 sourates, ولكن كمان 12 يعني مادة قانون ضد المرأة، منها أنه بلبنان لا يجوز للمرأة أن تفتح حسابا مصرفيا باسم أطفالها، يعني أنه المرأة ما فيها تروح على البنك وتفتح حساب باسم ابنها، بده يكون البي، والمرأة ما فيها تسفر أولادها بدون إذن من زوجها، المرأة اللبنانية ما فيها تعطي الجنسية لأولادها، وأيضا في كتير أمور، يعني أنا حتى أنا je suis en colère là en les lisant. حتى إنه بلبنان ممكن حرمين المرأة من حضانة أطفالها من زواج
سابق يعني إذا رجعت تزوجت كانت مطلقة ورجعت تزوجت ممكن إنه زوجها السابق يحرمها من الأولاد ولكن الرجال لا في يعيش هو ومرته جديدة أولاده ما حدا بيسأل عن الموضوع القانون الجزائي اللبناني لا يعتبر العلاقة الجنسية القسرية بين الرجل والمرأة اغتصابا ولا يخضع الرجل لأي عقوبة جزائية وكمان في قانون في مخرج للمغتصب وهيدي المادة 522 كمان إذا تزوج في مخرج للمغتصب بيقدر يتزوج الضحية وخلص بيعفو عنه كل شيء يعني أمور عن جد ما بعرف كيف نحن بالقرن 21 بنقبل بتصور إنه ما دام ما نمضي وقت قد ما بنمضي وقت نظبط شعرنا ومجتمعنا ونوصل إلى مجتمع أفضل. Je voulais vous parler aussi surtout des postes de femmes donc dans la politique. On sait combien aujourd'hui une femme peut être utile dans le monde de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez, surtout venant d'un pays très ouvert de ce côté-là? Justement, je parle de ça dans le petit recueil. Exactement. Parce que vous n'avez que 4 femmes députées sur 128 au Parlement. Il y a des mouvements justement de femmes actuellement qui essayent de faire bouger les choses et de pousser les femmes libanaises à s'investir davantage en politique. Parce que je crois que la femme libanaise doit davantage prendre conscience qu'elle doit s'investir elle-même et pas attendre que les choses arrivent et compter forcément sur elle doit être active et pas passive. Elle doit être active, vraiment, je pense. Oui, et vous trouvez que malheureusement, la femme libanaise, malgré qu'elle a tous les talents d'être une femme vraiment de tête et tout, elle est passive, hein? Je pense qu'en général, la femme libanaise est assez passive. Parce que peut-être elle a plus, par exemple par rapport à la France, elle a plus de facilité qu'une femme française quand elle vit dans de bonnes conditions. Je ne parle pas d'autre chose. Ouais. On parle d'un certain milieu. Ouais. Je pense que la femme est un peu inconsciente de ce qui peut aussi lui arriver. Si tu as la chance d'être mariée avec un homme civilisé, entre parenthèses, tu peux passer toute une vie ici au Liban de façon merveilleuse, avec des moyens financiers, avec des voyages en Europe, avec une ouverture d'esprit et de plein de choses. Et même un divorce peut se passer correctement et très bien. Aimablement. Lorsque les deux sont d'un certain niveau intellectuel, si on peut dire. Intellectuel, pas forcément. Il y a des gens intelligents qui peuvent très mal se comporter, ou des gens très bien éduqués qui peuvent un jour très mal se comporter. Ça dépend aussi de leur... peut-être de la façon dont ils sont éduqués, de la façon dont ils sont peut-être préparés. Il y a aussi la rancune, il y a la haine, il y a tout ça qui gère aussi un peu. Mais ce qui fait qu'au Liban, justement, si tu es marié avec quelqu'un qui a de la haine ou qui est pas très civilisé dans sa tête, il peut t'embêter. Bien sûr. Il peut pas seulement t'embêter, il embête ses enfants. Aussi. C'est pire. Parce que le problème, c'est que les lois, justement, sont avec lui. Mm-hmm. Donc c'est ça que les femmes libanaises doivent changer, pour que les lois ne soient plus écrites telles qu'elles sont. Exactement. C'est ça qu'elles doivent changer, au cas où. Et pour évoluer aussi, évidemment. Bien sûr. Il faut évoluer. Bien sûr, c'est ça. On est là pour ça. Rien ne nous manque, en tout cas. Complètement. En fait, il y a une femme qui a été en train على السياسة على الحقل السياسي خاصة إنه بس بتعرف إنه في 4 نواب هن نساء وكان في يكون في عدد أكبر ونساء أكثر ونساء تساهم أكثر يعني مش بس بالعدد ولكن كمان مش بالكمية ولكن بالنوعية وأيضا بتقول إنه كتير مهم إنه المرأة هي ما تكون هيك قاعدة عم بتراقب شو عم بيصير ولكن تقوم بعملها وتجرب إنه تغير كل شيء حواليها. نرجع على هالحديث الرائع ولكن من بعد هالوقفة. إحباط محاولة فرار جديدة من سجن رومي بعد اكتشاف عملية حفر نفق يؤدي إلى خارج السجن.
القاضي فادي صوان يصدر مذكرة توقيف غيابية في حق محمود الحايك المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب. القاضي صقر يطلب اتهام ميشيل سماحة وعلي مملوك بالتخطيط لأعمال إرهابية ويحيل مطالعته على القاضي أبو غيدة لإصدار القرار الاتهامي. الوزير منصور يتسلم مذكرة بلغارية لإحالة ملف تفجير بيرغاز في بلغاريا على وزارة العدل. طرح مشاريع الانتخاب يتواصل داخل اللجنة الفرعية التي تسابق الوقت للخروج بصيغة اتفاقية قبل نهاية الأسبوع. مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على مطار عسكري شمال البلاد. كوريا الشمالية تؤكد إجراء تجربة نووية ناجحة تحت الأرض، تنديد دولي، وبان يعتبر الأمر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم بعد قليل، ابقوا معنا. لا تشوف الوقت في ساعة، لا تتوقع الطقس في ميزان، لتأكد تاريخ في رزنامة، ولتعرف بلد وين رايح بموضوعي 2:30 مباشرة مع الام تي في. ما تتخلى عن طموحاتك. البنك اللبناني الفرنسي. مشاهدينا الكرام، منتابع حلقتنا عن حقوق المرأة ومع الكاتبة نادين دباس. دونك 100% est un calendrier aujourd'hui avec un texte extraordinaire avec 12 lois injustes contre la femme libanaise. Il est en vente dans toutes les librairies. Il y a un événement demain soir, donc tu peux nous en parler. Tout à fait. AHT organise pour la Saint-Valentin dans la rue un événement où il y aura La Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, il y aura le DJ du Skybar, il y aura boissons et nourriture gratuite dans la rue et des petits spectacles, des choses comme ça. Mm-hmm. Et justement, on vendra le livre aussi là-bas. Donc, si vous voulez l'acheter, vous pouvez le trouver demain. Aussi. Et il est aussi en vente chez Virgin, Antoine, Elbourg, L'Oriental à Beyrouth. Mm-hmm. Et il sort en France aussi la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Écoutez, maman, je vous dis qu'il. المكتبات أنطوان والبرج وفيرجن وغيرهم، وأيضا بكرة بأسواق بيروت رح تكون عم بتبيعهم بحفل لسان فالنتين بالأسواق من الساعة 6 للساعة 12. رائع جدا. وكمان جمعة الأسبوع الجاي بيكون موجود بفرنسا، رح يكون تطلقوا وجميل جدا. Vous croyez qu'en France il y aura des lecteurs intéressés pour voir un peu qu'est-ce qui se passe chez les Libanaises. Oui, j'espère. Oui, complètement. Il y a beaucoup de Libanais aussi à Paris, en France. Ouais. Et je pense que ça peut intéresser les Français d'apprendre certaines choses qu'ils ne connaissent pas du tout sur le Liban, sur les lois. Bien sûr. J'ai même rencontré des femmes libanaises, beaucoup qui ne connaissaient pas certaines lois. De leurs lois, parce que ça fait très longtemps. Puis elles n'ont pas été confrontées à ça. Donc, si elles n'ont pas d'enfants, elles ne savent pas. C'est très beau ce que vous dites. Mais tout le lion, nous sommes en train d'écrire ma bière sur la famille de la Libanaise qui est en train de ولكن بس المرأة اللي قاطعة بظروف صعبة بتهتم، ولكن لازم يكون يعني كل اللبنانيات شو ما كان وضعهم الاجتماعي العائلي والثقافي والمادي لازم يهتموا، لأنه هذا القانون للجميع. كلنا لازم نتعاطف ونتكاتف لنغير هالقوانين اللي هن عن جد ما بينصفوا الإمرأة اللبنانية أبداً. Vous parliez aussi donc du mariage civil. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé moi dans une de mes émissions la semaine passée. Et là, on en reparle puisque c'est le sujet donc d'actualité au Liban. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi et est-ce que ça pourra aider éventuellement toutes ces femmes qui font de mauvais mariages?
Mauvais mariage, tu ne pourras pas l'éviter, ça malheureusement. Mais peut-être éviter toutes les conséquences d'un mauvais divorce. C'est pas ça, je pense, votre problème au Liban, mm-hmm. c'est les 18 communautés religieuses mm-hmm. qui ont chacun un tribunal différent et qui ont chacun une façon de rendre la justice différente. Mm-hmm. Je ne pense pas que ce soit logique, c'est ce que je dis. Il devrait y avoir un tribunal civil pour tout le monde. Et que chacun puisse pratiquer sa religion selon son cœur, son goût, sans que ça ne vienne intervenir dans les affaires civiles. Mm-hmm. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre le civil, les lois et la religion. Il ne faut pas tout mélanger. Bien sûr. Donc, bien pour sûr. Moi, c'est une chose qui doit être abolie totalement. هي بتقول اليوم عم تحكي كمان عن أكيد الشخصية وعن الزواج المدني وعم تقول قد ايه مهم اليوم خاصة لأنه بلبنان في طوائف وأديان كتير مختلفة أكثر من 18 طائفة وعم بتقول إنه كل واحد حسب طائفته حسب دينه عم بيغير قوانين الزواج إن كان الكنسي أو إن كان غيره ولكن من هيك بضل القانون فوق الجميع وبضل القانون الزواج المدني مهم أيضا وبيساعد Anissé Aydan. Je sais qu'aujourd'hui aussi tu as un nouveau projet de livre. Et je sais que tu es photographe passionné, puisque tous tes livres sont surtout illustrés. Mm-hmm. Donc ce sont des maisons que tu as pris les dimanches à Beyrouth. Ouais. Parle-nous un peu de ce beau livre à venir. Quand je suis arrivée à Beyrouth en 2009, je m'amusais le dimanche à me balader à pied dans Beyrouth, que je ne connaissais pas vraiment, parce que j'avais toujours traversé Beyrouth très vite. Et je pense qu'on ne peut pas visiter une maison, on ne peut pas visiter une ville sans le faire à pied. Bien sûr. Parce que tu découvres des choses que tu ne vois pas en voiture. Bien sûr. Voilà, donc je marchais. Il y a très peu de passants dans les rues parce que les Libanais sont en général chez eux le dimanche. Donc oui. C'était très calme. Et j'ai pris des photos de tout ce qui me paraissait beau, qui allait disparaître, etc. Les petits passages derrière Gemaizé, les belles maisons qu'on détruit malheureusement. Bien sûr. Je suis amoureuse des maisons libanaises. Je trouve que vous avez une architecture exactement, splendide. Exactement, on est contre vraiment la destruction de toutes ces belles demeures. Complètement. Et aussi, ça détruit les jardins. Puisque, donc, je parle de tout ça aussi, un petit peu ça, les jardins. Ça, c'est déjà le Liban de demain. Complètement. Donc, voilà, donc ça va s'appeler « Mes dimanches à Beyrouth ». C'est beau. Parce que ça a été pris le dimanche. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour le Liban, pour les Libanaises. Quel est ton rêve de femme ? Mon rêve de femme, de c'est un petit peu la phrase que j'ai écrite ici, que j'ai reprise de Napoléon oui. et que Alain Pierre Fitte avait repris également dans son livre. Mm-hmm. Et c'était très visionnaire. Il avait écrit « Quand la Chine s'éveillera », moi j'ai écrit « Quand la femme s'éveillera, le monde changera et les Chinois n'en reviendront pas ». Je pense que c'est un peu ça. Mm-hmm. Moi, le rêve que les femmes se réveillent et… Helma, qu'emra'a mille bel mille, enno al-emra'a tu'a t'estaykoz, تغير العالم. Vous avez raison et on espère le faire le plus tôt possible, en tout cas pour nos enfants, si ce n'est pas pour nous. Merci encore une fois à Nadine d'être venue. Merci. Et bravo et bon courage pour le livre. Je veux l'avoir en exclusivité ici dans Kitab. Vous serez la première. Merci beaucoup. مشاهدينا الكرام, أنا اليوم لكل النساء اللي حضرونا اليوم أو اللي ما حضرونا أنا بقولكم إنه عنا يعني مستقبل بعد نغيره وأيضاً بقول إنه لازم نوعى مثل ما قالت نستيقظ لأنه حقوقنا بعد ما وصلنا لها بورقة وقلم. أنا بودعكم بشوفكم نهار خميس بحلقة مميزة عن الحب وعيد الحب وهلأ بنبقى مع زميلتي كاتيا.